Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky. Et si aujourd'hui on se faisait un jeu de flipper? Alors franchement, vu comme ça et dit comme ça vous semble complètement aberrant, mais je ne savais pas qu'il existait des jeux de flipper sur PlayStation. Alors il faut savoir que ce Pinball FX3, en fait, c'est le principe, c'est d'acheter le jeu, de même pas d'acheter, c'est le jeu en lui-même. Le Pinball FX3 est un jeu gratuit, c'est-à-dire que tu prends ça, tu le mets dans ta bibliothèque, tu as le jeu, l'interface qui est gratuite, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne parce que le concept est plutôt pas mal. Alors pour tout vous dire, c'est la première fois que je vais vous proposer ça puisque je ne l'ai jamais fait auparavant, mais en général je vous fais toujours des modes de level 1, et là je l'ai testé avant pour voir un peu à quoi ça ressemblait parce que je me suis dit quand même un jeu de flipper, franchement on va vite en avoir fait le tour, et au final ça reste pas mal, et j'étais plutôt emballé par ce que j'ai vu. Alors attention, hein. C'est gratuit, ça, ce que vous voyez là, c'est gratuit. L'interface LED que vous l'avez, c'est gratuit. Alors on va jeter un petit coup d'œil. Donc on va aller dans les options. Ça, c'est tout ce qui est son, etc. Bon, on s'en fout. Volume de la musique, etc., etc. Bon, on s'en fout un petit peu. Vidéo, qualité, tac tac, etc., etc. Ça, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse un petit plus, ça va être là, puisque vous allez avoir la possibilité de récupérer tout un tas de modes différents. Alors on va y rentrer, vous allez comprendre. Par défaut, vous avez tout ce qui concerne ceci, par exemple, voilà, tout ça, Zen Studio, donc c'est le jeu par défaut qui est gratuit. Donc celui-ci, tu peux y jouer autant de fois que tu veux. Okay. Et tout cela, ce sont des modes qu'il faut en fait récupérer dans le temps. Donc ça, c'est une première chose. Et après, regardez ce qu'on a. On a, par exemple, Williams, qui est un autre mode dans lequel il y a pas mal de second modes aussi disponibles. Et après, vous avez également Jurassic Park, par exemple, qui sont des démos qui sont plus ou moins disponibles. Donc si, par exemple, je vais mettre sur Jurassic Park, alors l'objectif, c'est pas de lancer, mais... Voilà, je vous montre parce que je ne veux pas le lancer, mais voilà. Vous avez la possibilité de jouer à un flipper Jurassic Park. C'est une partie d'essai, mais par contre, il faut l'acheter. Mais on va aller voir après comment ça fonctionne. Si jamais je commence, on va revenir. On revient par défaut, par exemple, si je me mets sur celui-ci. On va faire une partie basique et après on va arrêter. On ne va pas rester 3 heures dessus, bien évidemment. Donc on lance. Attendez, je regarde un petit peu, maîtrise du plateau, etc. Donc il y a des défis aussi dans le flipper. C'est pas juste un flipper basique comme tu faisais au flipper. Après, je vous raconterai un petit peu ma vie, des choses que j'ai connues quand j'étais plus jeune. Un joueur, tu as des sièges éjectables. Donc ça, c'est. Alors, j'ai pas tout testé, honnêtement, j'ai juste commencé. Donc tu commences une partie un joueur. Démarre une partie solo sans pouvoir wizard ou l'amélioration de plateau. Donc c'est une partie basique, etc., etc. Avec 4 joueurs maximum, tu peux jouer en équipe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et tu peux t'entraîner. Ok? On va regarder un petit peu à quoi ressemble. Vous n'avez pas d'amélioration. Oui, on va jouer sans amélioration. Donc tu lances ton plateau de flipper et tu joues au flipper basiquement. Comme si tu jouais au flipper quand tu pouvais jouer au flipper sur une machine à flipper quand tu étais gamin, quoi. Alors juste que je me rappelle bien parce que je sais qu'il y a plusieurs vues disponibles. Voilà. Si tu fais carré, déjà tu as. Alors voilà, tu as plusieurs vues disponibles, vue de dessus, vue très basse, etc. Ce qui est. Voilà. Rien d'exceptionnel, mais voilà, qui est plutôt rigolo. Allez, on va se mettre comme ça. Avec croix, tu lances ta bille. Jusque-là, tout va bien. Et après, tu joues basiquement au flipper, comme tu peux jouer au flipper quand tu es sur un flipper. Donc voilà, on s'en fout. Hein. Le but, c'est pas de gagner. On s'en fout un peu royalement. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Hop. Donc tu fais ta partie. Moi, pour une fois, alors je vais vous raconter un peu ma vie pendant que je fais ma partie. Quand j'étais tout petit, quand j'avais une douzaine d'années, ma maman travaillait dans un. Mince, comment ça s'appelle? Elle vendait des. Dans un point presse, pardon, excusez-moi. Dans une. Comment ça s'appelle? Dans un petit centre commercial, elle faisait un point presse et juste à côté, il y avait un bar. Et dans ce bar, il y avait un flipper. Je ne me rappelle pas quel était le nom de ce flipper, mais je peux vous dire que quand ma mère était là-bas et qu'elle travaillait dans son point presse, donc j'étais avec elle, je passais des journées entières avec elle et j'allais de temps en temps dans ce jeu de flipper. Et à force, on avait lié d'amitié avec le. Comment on appelle ça? Avec le gérant du bar, et il nous offrait, parce qu'on y allait de temps en temps, moi,
et de temps en temps d'autres amis, on y allait et il nous offrait des parties de flipper. Donc j'ai passé des heures et des heures entières sur son flipper. Et donc moi, depuis tout petit, je suis un grand fan de jeux de flipper. Et moi, ce qui me plaisait dans les jeux de flipper, c'était de progressivement monter, d'améliorer, alors pas d'améliorer parce que tu n'avais pas de l'upgrade de façon RPG, mais en fait au fur et à mesure tu débloquais des niveaux. Par exemple la gargouille, il a une gargouille en haut, si par exemple, alors je sais pas parce que j'ai pas trop joué, mais si tu jouais à la gargouille, si tu chopais trois fois la gargouille, il y avait une grosse gargouille qui apparaissait, après il y avait des bonus supplémentaires, des niveaux supplémentaires qui apparaissaient, etc. Et ça me plaisait beaucoup et j'adorais ça. Et j'ai passé des heures et des heures entières sur tous les jeux de flipper. Donc voilà, le but c'était de perdre évidemment, pas forcément pour perdre, mais juste parce que je voulais pas forcément rester 3 heures sur ce jeu là. On quitte le mode solo. La vidéo exceptionnellement ne va pas durer très 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 longtemps, je vous le dis de suite, ça va pas être le but du jeu. Donc là, si je vais sur Son of Dust, voilà, là il te dit, tu peux télécharger une démo, c'est-à-dire que tu vas télécharger la démo du jeu et tu vas pouvoir y jouer mais de manière en mode démonstration, ou alors tu l'achètes. Et si tu veux l'acheter, évidemment, ben, ça va te coûter une petite blinde. Parce que c'est ça qui est assez cher. C'est ça l'inconvénient. Par contre, tu peux tomber sur des jeux qui sont en mode beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Par exemple, si on va aller sur Star Wars, je pense à certains d'entre vous qui sont grands fans de Star Wars. Si je vais là, donc je vais regarder. Donc vous allez voir, on va le voir ensemble. Voilà. 9 euros, 10 balles le plateau Star Wars. C'est trop cher. C'est trop, trop cher. Je vais aller sur un autre plateau Star. Attendez, on va sortir. On va aller sur un Avengers. Voilà, je quitte sur Avengers. Le plateau Avengers, il coûte 10 balles aussi. Donc, c'est très, 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 très cher. C'est très, très cher, dommage, mais ça reste trop, trop cher. Après, libre à chacun de le prendre. Et par contre, tu peux faire la démo si tu as envie. Par exemple, si je veux, je vais prendre la démo de celui-ci. Hop, je fais la démo. La démo va arriver gratuitement. Je la prends. Je me paye la démo qui est gratos. Excusez-moi. Je la télécharge. Bon, ça va prendre un peu de temps, même pas regarder en temps réel. Vous voyez tout en temps réel, hein, voilà. C'est l'avantage de pouvoir maintenant enregistrer mes captures avec un autre outil. Hop, et donc si j'ai la démo maintenant, je ne veux surtout pas l'acheter. Retourner au jeu, voilà. Normalement, elle doit être là, Marvel. Si je vais dans Marvel, elle doit être par là, voilà. Hop, regardez, voilà, j'ai tout ça qui a été téléchargé. Donc j'ai tout un tas de démos. Donc, par exemple, si vous voulez, on va faire la démo Marvel. On va tester Venom, je crois. Bon, on va tester Venom, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, soit tu l'achètes et à ce moment-là, tu reviens encore sur ton plateau que tu payes 10 balles, ce qui est trop cher. Je le répète. Ah ouais, en tout cas, pour moi, c'est trop cher. Et si jamais, par contre, tu as envie de tester, tu peux tester la démo. Par contre, c'est une partie... Spider-Man. C'est une partie, par contre, qui est... tu fais pas qu'une partie, tu es limité dans le temps. Donc c'est des parties très très courtes, 8 minutes 30 approximativement. Mais avec carnage, ok. Et vous allez voir, on va y arriver. Ouais, 1 minute 30. 1 minute 30 pour tester le plateau. Ce qui reste assez short, je vous le cache pas. Par contre, je voudrais juste... Voilà, c'est pas grave parce que là, la vue par contre dégueulasse, un peu trop en bas. Donc voilà, c'est rare que je vous propose des trucs comme ça parce que c'est ni fait ni à faire. Certains vont dire, mais tu nous montres un jeu de flipper, c'est nul. Alors oui, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas le flipper et les gens qui ils ont dit, mais qu'est-ce que tu montres du flipper? Oui, c'est vrai. Mais moi personnellement, je l'ai découvert il y a peu de temps qu'on pouvait avoir des jeux de flipper sur la PlayStation. Alors pas de jeux de flipper en tant que tel comme jeu de flipper, voilà. Mais je savais pas qu'on pouvait avoir une base de jeux de flipper basiquement, c'est-à-dire sans rien. Presque un jeu de flipper basique sans aucune option. Et par contre, à côté de ça, tu pouvais, si tu avais envie, rajouter des dizaines et dizaines de plateaux différents. Et quand je dis des dizaines et dizaines, on va y aller tout à l'heure, on va y revenir. Si jamais vous êtes un fou furieux, vous en avez des dizaines. Alors par contre, ça va vous coûter une fortune. Hein, parce que si à chaque lot de plateaux, vous flambez 10 balles, j'attends que ce soit fini. Le but, c'est, je répète encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire de la perte. Hein. C'est juste de vous montrer que ça existe. Pour ceux qui aiment le flipper. Mais les jeunes en particulier ne seront pas forcément intéressés. Ça leur parlera. Voilà. Hop, voilà. Temps écoulé, tac, il s'arrête. Il n'attend même pas que ta bouche soit morte. Hein. Donc on va revenir. Et donc voilà. Maintenant on va revenir. Donc regardez, on a
2 sur 96. On a 100 plateaux disponibles. 100 plateaux possibles et imaginables. Ça fait beaucoup de flippers. Hein. Regardez tout ce qu'on a. On a après du Star Wars. Après Bethesda. Donc c'est marrant parce qu'on peut avoir des jeux Bethesda qui sont chez Microsoft maintenant. Mais bon, ça c'est un détail. Donc là, c'est tout d'autres types de flippers. Après, donc Jurassic Park, Universal, donc Back to the Future. Ah, Retour vers le futur, ça peut être rigolo. Tiens, on va tester Retour vers le futur d'ailleurs. J'espère qu'il n'y aura pas la musique, sinon je vais me faire gerter ma vidéo, mais c'est pas grave. C'est trop bien, parce que c'est des petites animations, rien d'exceptionnel en soi, je vous l'accorde. Mais ça marche, c'est super, franchement je trouve ça génial. Par contre, c'est la vie n'est pas terrible. Le skate de Marty, l'overboard de Marty McFly. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement les plus jeunes d'entre vous qui, eux, peut-être connaissent le flipper juste de nom parce que vos parents vous en ont parlé et qui n'ont jamais mis les mains sur un flipper, ça va peut-être vous passer à côté, ou au contraire, justement, ça va vous permettre de découvrir ce qu'on pouvait aimer nous quand on était plus jeunes. Mais pour les autres, les plus anciens, ça va vous rappeler quand même de bons moments. Par contre, le gros hic, alors je savais moi sur des anciennes consoles qui existaient des jeux de flipper, j'ai fait exprès de mourir, c'est que je cherchais un truc, pour info, voilà les commandes, c'est ça qui m'intéresse, vibration, triangle, je cherchais quelque chose, lancement manuel, stick droit, lancement automatique, bouger le flapou, ah voilà, on pouvait la faire tilter la machine, on va la retester. Ok. Stick gauche, tu peux faire tilter le plateau. Tilter, c'est-à-dire que tu... Pour ceux qui ont testé, qui connaissent ce truc, quand tu avais des billes qui n'allaient pas où ils voulaient, tu pouvais mettre des petits coups dans le flipper. Et il fallait faire très attention, parce que si tu faisais tilter le flipper, ben ton... Regardez, je vais volontairement... Voilà. Non, j'ai pas réussi. Je vais essayer de le faire tilter. Si tu remues trop souvent, ben ton plateau, ta boule de flipper tilt. Ton flipper tilt. Voilà, là il a tilté. Là il a tilté. Il tilte et s'il tilte, eh ben, tu perds ta boule. Tilté, ça veut dire que tu l'as trop fait bouger, que le flipper a détecté que tu l'avais trop brutalisé. Et à ce moment-là, partie terminée, tout simplement. Donc voilà, moi, je vous parle de beaucoup de choses comme ça, bruit de décoffrage, mais c'est parce que moi ça m'émeut un petit peu particulièrement, parce que ça me rappelle vraiment des vieux souvenirs. J'avais quel âge? J'avais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et je vous garantis, moi je passais des samedis entiers dans ce petit commerce et j'ai dû claquer, parce que c'était 10 francs, 1,50€, voilà, 10 francs la partie, et j'ai dû mettre l'équivalent de, je sais pas moi, peut-être je mettais 150 francs par jour, l'équivalent de 150 francs par jour, parce que les parties, voilà, à force il me les connaissait et il était un peu gentil, il me payait les parties. Il y avait un petit bouton en dessous là, il activait, il pouvait actionner, forcer manuellement pour avoir les parties gratuites. Bref, on parle de petits trucs qui étaient plutôt rigolos. Bref, alors, donc voilà, je voulais juste, combien de temps la vidéo, 12-13 minutes, le but n'était pas de faire une longue vidéo sur ça, parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt en termes de jeu, je voulais juste vous montrer qu'il y avait des choses comme ça qui étaient possibles. Donc le principe, je le répète encore une fois, c'est tu achètes, enfin tu prends gratuitement sur le PSN le plateau que tu vas pouvoir trouver gratuitement, tu tapes tout simplement Pinball FX 3, voilà, tu tapes ça dans le PSN, tu le récupères, tu télécharges le plateau gratuitement, donc tu as par défaut deux plateaux qui sont offerts et gratuits, qui sont fournis avec, donc c'est sur les Sorcerer's Lair, et tu peux aller Fishtail, donc ces deux plateaux là qui sont gratuits, et tu peux y jouer autant de fois que tu veux, non-stop, après tu as des bonus, des menus un petit peu spéciaux dans chacun des trucs, ok, et après si tu es intéressé, et que tu as envie de te faire plaisir et de claquer un peu d'argent, chose que tu as entièrement le droit de faire puisque c'est ton argent, tu peux te dire, bah tiens, je vais me payer un plateau Jurassic World. Et tu le prends et à ce moment-là, tu payes Jurassic World, la licence, tu la payes 10 balles. Alors je crois que quand tu payes tes 10 balles, tu as droit à ces 3 plateaux. Hein. Je crois que tu as droit aux 3 plateaux quand tu payes 10 balles. Là, par exemple, si jamais je veux, je me paye mes trucs Retour vers le futur, la Universal, je ne sais pas si tu les prends tous, mais si tu les prends tous, bah, tu te payes ton Universal. Vous savez quoi, on va même jeter un œil. Par exemple, les dents de la mer. On va jeter un coup d'œil. Si je veux l'acheter, il va aller sur le plateau.
Voilà, tu vois, là il me propose pour 3,99 €, c'est un petit peu moins cher, parce que c'est une promotion, sinon c'est toujours 10 balles, les trois plateaux. Donc j'ai droit à Ichi, donc c'est l'Universal classique, donc j'ai droit à Ichi, j'ai droit aux Dents de la Mer et j'ai droit à Retour vers le futur, tout simplement. Et donc à ce moment-là, vous voyez, 1, 2, 3, j'achète pour 10 balles, j'achète ces trois plateaux. Là, Marvel, j'imagine que si je veux par exemple. Alors on va y jeter un œil, ça coûte pas grand-chose. On va tester celui-ci, si je l'achète. Est-ce que c'est Venom? Donc là, voilà, c'est Marvel Heavy Hitter. Donc il m'en propose plusieurs de Marvel. Donc il y en a tout un tas. Et après, c'est pareil. Je peux acheter celui-ci-là, Les Gants de l'Infini, si j'ai envie. Là, il va m'amener là. Je l'achète. Pardon, excusez-moi. Je l'achète pour 10 balles, toujours pareil. Et à ce moment-là, j'ai droit à ça. Jusque-là, tout va bien. Star Wars, pareil. Bethesda, pareil. Alien, si je veux, j'achète la licence Alien. Fox Next, ah, c'est rigolo. Est-ce que. Ah non, je pensais qu'elle allait avoir. Comment ça s'appelle? Les Simpsons, mais ça y est pas. Zut, on va y arriver ou pas? Alien, donc tu peux avoir Alien vs Predator, etc. Après, je peux avoir la licence Walking Dead et tout ce qui va avec. Et je pense qu'à terme, il sera possible petit à petit de rajouter d'autres licences. Donc voilà, tout ça pour vous dire que modulable, pas à volonté, mais avec beaucoup de choses. Assez rigolo parce que voilà, tu reviens un petit peu en enfance et moi, c'est quelque chose qui m'attendrit particulièrement. Et après, il y a toutes les licences, putain, il y a de quoi vraiment se faire un grand, grand, grand plaisir. Voilà, les amis, je voulais vous montrer ça. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. On est d'accord, l'objectif, c'est pas de montrer du gameplay, c'est juste de vous montrer que ça existait. Moi, je l'ai découvert ça il y a un ou deux jours de ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler? Voilà, vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une aventure. Salut à tous.